Oui, d'accord. D'accord, Père Noël. Oui, bien sûr. Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est promis. Et vous oubliez pas, hein. Moi aussi, hein, j'étais très sage cette année. Mais il a raccroché, disons. Hey! Salut! Eh oui, j'étais avec le Père Noël en personne, parce qu'il vient de me missionner tout simplement pour réceptionner un gros colis pour les petits. Mais en toute discrétion, m'a-t-il dit. Bon, ça devrait arriver d'ici quelques heures, je pense. Donc, on va attendre ça. Ah, je crois que c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous a ramené, ce Père Noël? Ah, on a trouvé une notice. Coconut Club. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une discothèque? Une boîte de nuit? Alors, est-ce qu'on va trouver un plan quelque part? Wow! Ah, merci Père Noël, hein. Franchement, c'est génial hein, pour les petits. Hein. Mais alors, par contre, moi, je vais mettre combien de temps pour monter ça? Pas sûr de pouvoir monter ça avant Noël. Hein. Enfin, avant ça, déjà, il va falloir trouver son emplacement. Alors pourquoi l'installer ici sous la terrasse? Parce qu'en fait j'ai eu l'idée totalement farfelue de rajouter une passerelle qui va descendre donc de la terrasse jusqu'à l'aire de jeu. Comme ça les petits pourront directement avoir accès à leur aire de jeu en toute sécurité depuis la terrasse. Et là-bas au niveau des voitures en fait il y a un grillage qui permet totalement de sécuriser et de garder les enfants dans un espace totalement clos. Non promis je prends pas de drogue pour ce genre d'idée. D'ailleurs la passerelle on l'appellera... La passerelle de Normandie, en rapport au pont de Normandie. Ah, tu savais pas? Eh oui, j'ai cette qualité d'être normand. Donc allez, on va commencer. Là, j'ai déjà repéré les différents points d'appui de l'aire de jeu. Et l'idée, donc là, ça va être d'utiliser mon niveau laser pour vraiment mettre de niveau ces différents points d'appui. Bon bah là, je crois que c'est l'échec total. En fait, je vois pas mon laser à plus d'un mètre. Il y a trop de soleil. Donc du coup, ça me sert strictement à rien. On va attendre que le soleil se couche, je pense. On va se faire ça en nocturne. Alors la nocturne, on va se mettre un petit peu de musique. Du laser. Et on s'y croirait presque. Bon, je m'y mets sérieusement, sinon à 2 heures, j'y suis encore. Donc là, je prends mon point d'appui le plus bas et je fais un trait au niveau du laser. Et ensuite, en fait, faudra que je creuse sur les autres points d'appui. Et l'idée, c'est que le niveau laser soit toujours devant ce trait. Salut! On est le 20 décembre aujourd'hui. Il est à peine 8h du mat, je viens à peine de me lever. Ça se voit un peu, je prends mon petit déj. Parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour du montage. On va pouvoir monter l'aire de jeu et la passerelle. A priori, il me faudrait 6h à 2. Je suis tout seul. Je dois mettre 12. Mais les petits sont chez papy avec maman, comme ça je suis total tranquille, loin des regards indiscrets comme me l'avait demandé le Père Noël. Mais le problème c'est que, en fait, il pleut. Un vrai temps normand. Donc je vais mettre mon kawaii, hein. On va mettre le kawaii, du doun. Et puis on va monter ça pendant des heures et des heures.
et des heures. Ça fait à peu près 6 heures. Pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible de monter ça en moins de 6 heures tout seul? Eh bien, clairement, la réponse est non. Non, il me reste encore beaucoup trop de choses à monter. J'ai déjà vraiment terminé quasiment la structure principale. Avec un premier palier ici, j'ai le deuxième palier ici à environ 1m20. Et le dernier palier d'1m50, lui, n'est pas finalisé. Il me restera encore toutes les balustrades autour pour éviter que les petits tombent, le toboggan et puis l'échelle aussi pour monter. Mais avant ça, c'est l'heure du repas. Parce que la poutre au coin de l'œil m'a bien sonné. Elle est tombée une première fois, j'ai été épargné, mais par contre la deuxième, je me la suis pris direct. Mais c'est pas terminé. Maintenant, il reste la passerelle à faire entre la terrasse et l'aire de jeu. Et pour ça, on se retrouve en ZX, direction une enseigne de bricolage, pour acheter le bois de la passerelle. Quoi de se promener en ZX? Allez, maintenant on décharge. We'll be right back.
voilà, après 2 jours intenses et un œil en moins, tout est terminé. Je suis content parce que ça ressemble bien à ce que j'avais imaginé. Je pense que les petits vont bien s'amuser. Restera plus qu'à rajouter un petit portillon pour bien sécuriser ici. Et après, ce sera parfait. Je vous montre ? Allez, c'est parti. I'll make it. That's all I need. I'll make it.